C'est Caramela, j'espère que vous allez bien. Je reviens, enfin, on revient vers vous aujourd'hui pour un rôle action. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée et j'avais besoin de quelques petites choses. Vous allez voir ça. Minus a le ventre plein, mais bon, il voulait faire un petit coucou à ses amis, les abonnés ou pas. Et bien, c'est parti pour un rôle action. Hein, mon Minus, oh, bon, je dors, ça y est, je digère, je dors. J'ai fait attention les poils, parce que là c'est du gloss. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, pour commencer, alors je suis allée chez Action ce lundi, en sortant du kiné, comme toujours. Si vous voyez bouger, donc j'ai mis le ventilo comme d'hab. Hein. Donc, j'ai mon petit ticket pour les prix. Et donc, c'est parti. Alors, en premier, mon mari a trouvé dans les rayons bricolage, voiture, etc. Un extincteur en bombe pour la voiture. Voilà, comme ça. On ne savait pas que ça existait en bombe. On en avait acheté un mini, mais bon, il était plus bon parce qu'il y a des dates de péremption. Et c'est un extincteur, bah, il fait combien? Normalement, ah oui, il y a la date de péremption. Quoi? Septembre 2016. Ah, non, ça doit être la date de production, ça. J'espère, parce que... Je vais demander à mon mari. Je préfère demander à mon mari. Mais bon, normalement, il est bon. Et donc, c'est un extincteur de voiture qu'on a payé. C'était pas donné quand même, il me semble. C'est de la marque Flamingo et on l'a payé 8,95. Voilà. Faut compter ça hein, pour les extincteurs. Même à Leclerc, c'est 10 euros et quelques. Donc, extincteur en bombe, 8,95 dans le rayon voiture. Ensuite, j'ai acheté, j'aime bien écrire sur des post-it, je me fais mes mémos pour me vider la tête. Et puis j'ai toujours peur d'oublier, avec tous mes traitements, j'ai pas de mémoire. J'ai acheté un bloc de mémo cube, voilà, multicouleur, comme ça, de la marque Office. Donc il y a de quoi faire, donc c'est pas autocollant comme les post-it, hein. Donc le mémo cube, je l'ai payé. Office, ça, dévidoir. Oh nana, non, c'est pas ça. Bloc mémo. 1,89 €. Donc il y a de quoi faire. Voilà. C'est moins cher que les post-it. Hop, pardon. Ensuite, j'ai quand même acheté des post-it parce que des fois j'aime bien quand ça. Pour coller soit sur un agenda ou quoi, 4 fois 100 post-it, voilà, ça fait 4 couleurs différentes, toujours de la marque Office, il y en a 400, et donc les post-it entre guillemets, parce que c'est une marque normalement, Office Essential, je les ai payés, porte-clés, non, bloc adhésif, 99 centimes, donc là ça vaut vraiment le coup, il y a de quoi faire, il y en a 400, et c'est bien utile, je m'en sers énormément. Mon mari a pris deux lots de piles comme ça, de la marque Philips. Ce sont des AA. Il y en a 16. Ouais, il y en a 16. Voilà, il en a pris deux lots. Alors ça, c'est combien? Les AA, 3,49 € le paquet. Il y en a 16, 3,49 €. Et donc, on en a pris deux. Je remets ça dans mon sac. Ensuite, il a pris également deux paquets de 16 de AAA. Voilà. Ces paquets-là, alors, il les a payés. Et c'est où? Ah, ben, c'est le même prix. 3,49 €, même les AAA. Donc 3,49 € x 2. Désolée pour le bruit. Ensuite, j'ai racheté. J'en ai acheté une brosse à récurer, vous savez, les ongles ou quoi. Et je la retrouve plus. Alors, je suis sûre que mon mari l'a pris pour son aquarium, mais il me dit que non.
Bref, c'est pas grave, j'en ai racheté une. Donc, la brosse à ongles, voilà, 49 centimes. Voilà, ça se trouve, je vais retomber dessus. Je l'ai mis dans la salle de bain. Moi, je m'en sers pour nettoyer. Vous savez, quand vous taillez des crayons à lèvres ou des crayons à yeux waterproof, ça en fout plein la lame du taille-crayon. Et vous savez, pour faire le coton-tige ou quoi, le nettoyer, c'est gras, ça colle, il y en a plein le taille-crayon. Donc, je nettoie mon taille-crayon avec ça. Celui-là, je vais le garder pour mon maquillage, 49 centimes. J'ai acheté ensuite. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ça fait des mois que je cherche de la colle en ruban. Et à chaque fois, mon rayon est vide. Donc, moi, j'ai un comment? De la colle en stick, mais c'est vrai que c'est pratique quand on veut coller correctement. J'ai deux trois timbres de récup là et je m'en sers pour mon loyer, etc. Et donc, je me suis dit, je vais en prendre pour une fois qu'il y en a. J'en ai pris deux. Ça a l'air pratique, j'ai jamais essayé, mais ça doit être super sympa. Celui qui a inventé ça, c'est nickel. Et donc, j'ai payé ça. J'ai payé ça, désolé. Bloc-notes. Bah zut alors, j'ai payé ça combien? Colle, 99 centimes. Voilà, colle dévidoir. Impeccable. 99 centimes, ça vaut le coup, j'en ai pris deux. Ensuite, je suis retournée au rayon vaisselle. Ils étaient en promo. Ce sont les couteaux. Ce sont les couteaux. Donc j'en ai déjà. Oula, j'en ai déjà 6 comme ça, des couteaux, vous savez, comme ceci. Voilà. En semi-céramique, parce que bon, c'est pas de la céramique pure. Ils coupent super bien. Enfin, moi, je m'en sers pas. J'ai essayé une seule fois. Au bout de, allez, 4 secondes chrono, je me suis coupée. Moi, les couteaux, je prends les couteaux pour enfants presque, vous savez, à dents ou classiques, parce que je suis tellement maladroite que les couteaux qui coupent comme du beurre, comme ça, non, moi, au bout d'une heure, je me suis amputée 3 doigts, quoi. Donc, non, 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 non. C'est que pour monsieur. J'ai essayé de couper mes tomates avec. Allez, c'est bon, mes mères, elle est pas louée. Elle s'en sert pas. Donc, ils étaient en promotion. Ce sont les couteaux. Céramique base, c'est ceux qui font qui ont une lame de 8 cm et demi. Donc ce sont les moyens. J'en ai repris 4, deux noirs, un vert et un gris. Voilà. Et donc le couteau avec la lame de 8 cm et demi, ils étaient en promotion. Mais bon, ils ne coûtent pas très cher, je crois que c'est 1,19 € ou 1,22 € d'habitude. Et là, les couteaux, je les ai payés 92 centimes. Ouais, ils étaient à 92 centimes pièce au lieu d'1,22 € ou 1,19 €. Donc, c'est une petite économie, x4, impeccable. Donc là, je pense qu'on a la réserve. Hein, on en a 8 ou 10, c'est bon. Et mon mari a voulu en prendre un grand. Alors là, c'est mort, je m'en sers pas. Parce que là, c'est pas les doigts que je vais me couper, c'est la gorge. J'ai déjà la trace. Donc là, la lame fait 19 centimètres. Prochain qui rentre pour me voler mon chat, mon Lunus, il s'en prend un coup. Donc là, la lame de 19 cm, le couteau en céramique, 1,59 €. Franchement, ça vaut le coup. Il fera le temps qu'il fera, mais bon, ils sont assez solides. Hein. Moi, je les mets en machine à laver, la vaisselle, et pff, impeccable. Donc 1 €, je vous ai dit 1,59 €, le couteau grand format. Ensuite, j'ai oublié, mince. Je me suis acheté une boîte de crayons. Ah, je suis désolée. Je l'ai plus. J'ai une boîte de crayons. Enfin, j'ai donné les crayons de couleur à ma filleule. Et j'ai gardé la boîte. C'est une boîte qui est grande, qui est moyenne, quoi. Que j'avais payée. Alors, j'ai le prix. La boîte de crayons. Les crayons de couleur, une boîte de 18 pièces, 1,99 €, c'est la boîte moyenne.
Avec des crayons de haute qualité, c'est marqué. Donc 1,99 €. J'ai pas de mémoire. Hein. Et donc j'ai gardé la boîte pour mettre des fards à paupières que je colle avec de la pâte, vous savez, au toit adhésif là. Ça fait un peu chewing-gum, vous collez et voilà. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer, mais une boîte de crayons de 18 crayons de couleur, 1,99 €, ça vaut le coup pour les enfants ou si vous faites du coloriage pour adultes. Ensuite, j'ai acheté une petite. Non, c'est quoi qui est tombé? Pardon. Un petit caca. Ici, j'ai acheté un petit caca. Voilà, de la marque. Un emoji, voilà, un emoji en porte-clés. J'ai craqué. Après les barbes à papa chez Noz, le caca. Voilà, j'en ai tout un petit truc accroché au mur de ma chambre. Et là, c'est une petite pensée pour la youtubeuse que j'adore et que je vous conseille d'aller voir. Lune, Ambre de la Lune, elle est super jolie. Elle a des cheveux de sirène et en plus, elle est super sympa, ce qui ne gâche rien. Jolie, sympa, rigolote, des vidéos super sympas. Sa chambre est super bien décorée et elle a des cacas partout. Elle en a sur son lit, les gros oreillers, c'est super cool. Enfin, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Lune, Ambre de la Lune, moi je l'adore. Elle s'est abonnée à ma chaîne également et j'y en remercie de tout cœur. Et j'ai pensé à elle en achetant le petit caca. Et j'aimerais bien trouver aussi les gros oreillers, pas trop cher. Voilà. Donc le petit caca et moi aussi, je l'ai payé. Porte-clés, 75 centimes. Voilà. Trop chou, il va rejoindre ses copains. Ensuite, j'ai acheté de nouveau, pendant qu'il y en avait un paquet, genre j'en ai pris qu'un paquet, de 50 cotons maxi, vous savez, les ovales comme ça, ils sont super géniaux, franchement j'adore. 100% coton, voilà, alors je crois que c'est le prix habituel, les cotons 83 centimes, voilà. J'en ai pris qu'un paquet parce que j'en ai encore un d'avance et un entamé. Ensuite, pour mes neveux et nièces, c'est pas que. Dimanche, il me semble. Enfin, lundi de Pâques, c'est lundi prochain. Et ils n'aiment pas les chocolats de Pâques ou de Noël. Ça finit à la poubelle. Et puis, bon, je voulais pas leur acheter les jouets et tout ça. Parce que j'ai été invitée gentiment par la maman de Maëlys, ma filleule, à manger dimanche. C'était pas prévu. C'est génial. Et donc, pour marquer le coup, donc on va aller avec une bouteille de champagne parce que mon mari a eu son diplôme d'électricien du bâtiment. Bravo, mon petit chat! Il faut que j'achète un cadeau. Et donc là, comme ça va être l'anniversaire de Maëlys, je voulais pas faire coup sur coup. J'ai acheté pour les trois enfants, Maëlys 9, qui va sur 9 ans, Nathan qui va sur 13 ans et enfant. Il y a le grand il va sur 17, mais bon, j'ai quand même pris ça. Le paquet de chocolat, voilà. Ça s'appelle Max Bar. Il y a combien de grammes? 200 grammes. Ce sont des assortiments de mini-bars, genre Snickers, Bounty, Mars, etc. En marque détournée, quoi. Voilà. Et chacun son paquet. Je l'ai payé. Assortiment. Et bien zut alors. Ah, voilà, 1,59 € le paquet. J'en ai pris 3 pour chaque enfant. Voilà, j'ai envie de manger. Non, 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 c'est pour les enfants. Et pour finir, c'était à combien? J'ai repris. Alors, un copain. Pour les ch'tios derrière, là. Oh, j'ai craqué. Un autre bloc porte. Regardez comme il est mignon. Il ressemble à. Comment ça s'appelle? Un chien. Avec un éplo. Un émou. Un charpet. Voilà. Un pote. Un charpet. Il est pas mignon. Oh, en velours, magnifiquement bien terminé. Un cucu bien lourd, comme il faut. Regardez ça, il est trop chou. Il va rejoindre ses poteaux. Je vais le mettre ici. Voilà, il a rejoint ses poteaux. Et donc, je l'ai acheté.
C'était... C'est pas donné ces trucs-là normalement. Je vais acheter. Buté. Bah dis donc, 2,99, il est moins cher que les autres. Parce que d'habitude, je le paye 3,47 euros. Celui-là, 3,47 euros. Celui-là, 3,47 euros. Et celui-là, 2,99 €. Eh ben dis donc, buté de porte, chien renard. 2,99 €, pas cher du tout. Je suis hyper contente. Voilà, et ben ce petit haul action est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Oui, mon nénu se fait le dodo. Oui, il digère. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, je remercie tous les nouveaux qui viennent de s'abonner. Je suis à 926 abonnés. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai fait les petits paquets pour. En fait, j'ai décidé de faire deux gagnantes au lieu d'une. Je me suis dit, ça va faire une chance de plus. Donc, j'espère que vous êtes contentes. Alors, bien sûr, je ne peux pas satisfaire, quand il y aura mes 1000 abonnés, mon concours, je ne peux pas satisfaire les 1000. Hein. Donc, deux abonnés gagnants au lieu d'un, je me suis dit, c'est sympa, ça fait deux chances. Et vous verrez, je ferai une vidéo spéciale concours ouvert pour vous montrer ce qu'il y a à gagner. J'ai fait deux lots pratiquement identiques pour ne pas faire de jaloux. La goutte au nez et les yeux qui pleurent à cause du ventilateur. Voilà, et ben je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, faites attention à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous mettrai en détail ce que je porte sur les yeux. J'ai mis de la paillette, vous avez vu? Ça pète, hein? Et le gloss. Je suis pas très gloss, mais bon. Pour une petite. Comment? De temps en temps, comme ça. Oh, oh les cernes, mes mères. Oh là là. Voilà. Eh bien, je vous mettrai en détail en barre d'infos mon make-up, ma tenue, etc. On voit pas trop. J'ai une petite broche là, voilà. Je vous dis donc à très vite. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et comme ça, vous pourrez participer au concours qui va pas tarder. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore de tout cœur pour vos jolis commentaires, etc. Minus et moi, on vous embrasse et on vous dit à très vite dans un autre haul action ou pas. Bisous!